Salut les calamars, ici AssaSquid et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Squidéo sur Splatoon 2. Mais c'est une Squidéo un peu spéciale, c'est une Squidéo comme vous l'aurez vu, les couleurs sont très différentes de d'habitude. Pourquoi cela? Tout simplement parce que Santiture a lancé un défi qu'il a appelé le défi négatif. Et il s'agit tout simplement de faire quelques matchs dans Splatoon avec les couleurs inversées. Les couleurs inversées comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment même, hein, tout simplement. Et j'ai décidé de faire quelques matchs, oui, mais de carrément aller en match pro. Hein. On va pas tout simplement se contenter de faire le défi, non, non. On va faire le défi en match pro, c'est beaucoup plus drôle. Donc on y va direct, comme ça. La violence est contre nous. Alors oui, c'est très perturbant, les couleurs, la profondeur, tout est changé, mais on devrait pouvoir globalement s'en sortir quand même. Nous, on est dans le camp des aliens, là, comme vous pouvez le voir, on balance de l'acide vert partout. Donc on est clairement dans le camp des aliens, là, pas de doute possible, j'ai envie de dire. Bon, pour le moment, ça avance pas des masses, ce stand, j'ai l'impression. L'adversaire a le stand. Très bien. On va lui reprendre. Si l'adversaire a le stand. Alors, bon, je n'avais plus mon armure. Je pensais pouvoir survivre à un tir, mais non, pas du tout. Allez. On y retourne. L'adversaire a le stand. Ils vont pouvoir avancer jusqu'au point où on était, je pense, quand même. Voilà. C'était pas trop dur de reprendre l'avantage. J'arrive pas à les stopper parce qu'ils ont une armure aussi. Pour voir qu'ils ont une armure, c'est assez délicat, par contre. Effectivement, c'est pas facile, facile. Bon, là on est en difficulté, je pense. Ouais, on est clairement en difficulté. En plus, il y a un jetpack qui arrive en face. C'est pas le moment de relâcher. Par contre, là, il y a du snipe en face. Il y a du sniper. Il y a du gros sniper en face. Bon, j'espère que... Ouh là là là, j'espère que mon équipe est dans le coin, parce que là, je vais pas m'en sortir tout seul. Voilà, le sniper qui nous dégomme. On s'y attendait, mais clairement, on n'allait pas s'en sortir tout seul, hein. Bon. Très bien. On est vraiment en difficulté pour le moment. Hein. On va pas se mentir, on est mal parti. Allez, tu dégages de ma tour. C'est chez moi ici. Si on pouvait avoir l'armure, ce serait top. Mais on l'aura pas, je pense. Je vois très mal qui est mon ennemi. Bon, même si du coup ils sont bleus. Je me demande quelle couleur ils ont en vrai. Je pourrais... Bon, voilà. En train de réfléchir, je pourrais inverser sur Adobe Premiere pour voir justement quelles couleurs étaient les vraies couleurs, parce que là pour le coup, vert, je sais pas quelle couleur on aurait, rose peut-être, eux ils ont bleu, donc rose et vert si ça se trouve, hein. Je sais pas trop franchement, là je sais pas, difficile à dire. Alors est-ce qu'on peut l'avoir? Oui. Est-ce qu'on peut mettre une petite armure pour aider mes coéquipiers? Oui aussi. Où est l'adversaire? Je ne sais pas. Ah, on a double armure, quoi. Double armure, ça va aider. Bon, ça va pas aider des masses. Il est où, le mec? Il est où, celui-là? Ah, la vache. C'était l'apocalypse. On n'arrivera pas à passer ce... Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Non, on n'a pas réussi à passer très loin. Dommage. Dommage. Bon, je vais essayer de booster un peu mon bouclier, moi. Ça pourrait servir. Mon équipe a le stand. Oh, la vache. C'est moi qui visais, lui. Oh, la vache! J'arrive, mais il y a tout le monde qui est sur ce truc. On n'est pas coordonné en fait. Si on n'attaque pas en équipe, on s'en sort pas. Hein. Je pense. En même temps, c'est la logique de base, mais bon. On n'est pas très coordonné. Ah, j'avais même pas vu que je me faisais tirer dessus, dis donc. On fait moins attention aux détails avec ces couleurs-là. C'est assez spécial. Alors, lui, il faut le dégommer vite fait. Je sais pas où il est parti. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils ont tiré sur mes coéquipiers. Oh, la vache. Je me mets légèrement, voilà, pour pas qu'ils puissent me toucher. En espérant qu'ils puissent pas me toucher, hein, parce que là, j'en ai eu un. Mon équipe mène! Incroyable! Bon, maintenant, il faut faire blocage. Il faut faire blocage à tout prix. Parce que le but de ce défi, à la base, c'est quand même de gagner deux matchs. Hein. Donc, voilà. Ce serait bien qu'on gagne au moins deux matchs. Je sais pas si le but, à la base, c'était de faire ou de gagner deux matchs. Moi, je l'ai compris comme gagner deux matchs. Donc, on va essayer de gagner, tout simplement. Ça repart au centre. L'adversaire a le stand. Il faut les dégommer vite fait.
C'est le moment ou jamais. Voilà. Allez, dites-moi que c'est bon. Dites-moi que c'est la victoire. Une première victoire pour ce... pour ce défi négatif, ce défi avec des couleurs autant... pas très autant couleurs, en fait, hein, pour des couleurs très bizarres. Oh mon Dieu, les chats, ils font peur. Sentiture l'avait dit, mais effectivement, les chats font peur. Regardez-moi, il a l'air maléfique, cher arbitre. Bon, très bien. Une première victoire, il nous en manque une. En plus, on gagne en match pro, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Si on pouvait passer un rang comme ça, ce serait vachement drôle. En tout cas, mon équipement est boosté. Je suis en train d'essayer de farmer un max d'argent, de fragments et tout. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo Devil Squid sur comment avoir le bon équipement. On y retournait pour un deuxième match sur un terrain différent. Et là, ça va être encore plus perturbant, j'ai l'impression. Mon Dieu, ça fait peur. Hein. Dans ces couleurs-là, ça fait vraiment très bizarre. Ça fait peur. Les reflets sont noirs, quoi. Et c'est assez difficile de reconnaître quelle zone vous pouvez ancrer. Parce que bah, du coup c'est complètement inversé. Et il y a des zones que d'habitude vous avez l'impression que vous pouvez ancrer. Et bah vous pouvez pas vraiment. Aïe 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 aïe. Je me suis fait avoir par un autre saut que j'avais pas vu. Qui m'a eu sur le côté. Donc là ce coup-ci on est vert encore. Et eux ils sont roses. Donc rose et bleu peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas trop. Je me fais pas assez couleur pour le moment. Moi je vais aller me planquer parce que... clairement, il y a du danger en hauteur. La preuve en image. Est-ce qu'on pourrait avoir ce jetpack, s'il vous plaît? Non. Bon, on l'a pas eu. Par contre, si on pouvait... Non, mais... c'est pas possible. Il a quelle portée, lui? Ah, bah d'accord, ok. Il a pas du tout l'arme que je pensais qu'il avait. Il a une arme beaucoup plus puissante. Et beaucoup... avec beaucoup plus de portée. Il a une Gatling. Ce qu'on appelle le minigun en anglais. Je n'ai jamais compris pourquoi on appelait ça un minigun en anglais. Ça n'a aucun sens. Parce que c'est pas mini du tout. Oh là là, il y a du snipe en face. Alors, ils ont snipe, ils ont Gatling, c'est l'apocalypse, là. Il faut que je monte vite. Il faut que je les empêche de remonter ici. Ouh là là, faut que je dégage de là. Allez, dégagez-les. Voilà, parfait. C'était magnifique. Inattendu et magnifique. Allez, les gars, reprenez la tour, s'il vous plaît. Non. Allez. Non. C'est le bazar. Mon équipe, faites quelque chose. Allez au point. Vas-y, vas-y, vas-y. Prends-le. Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Enfin, bah non, bah, j'aurais pas dû. C'est moi ou ils sont en train de mettre le bazar chez nous, là? Ils sont en train d'essayer de nous prendre à revers, hein, clairement. Il y a carrément le sniper qui vient chez nous prendre à revers. Ah, c'est sale. C'est sale, 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 ça. On va essayer de le dégager de là. Mais franchement, c'est vraiment un bon coup de bâtard. Oh là là, il m'a vu. J'espérais qu'il me voit pas, mais il m'a vu. Hein. Bon, on va pas réussir à le dégager de là. Et eux, ils vont pouvoir passer le deuxième point. Mais dégagez ce sniper, faites quelque chose. D'ailleurs, notre sniper, il fait pas grand-chose au passage. Hein. Il est pas très efficace. Je comptais sur lui pour nous aider un petit peu, mais pas du tout. Hein. Allez, on va réancrer un peu ici parce que sinon ça leur fait un accès facile. Et je n'aime pas ça du tout. Allez, mourrez-vous là. Voilà, et de 1. Je sais pas si l'autre est encore là. L'autre est encore là. Allez, il disparaît. À un moment donné, il faut arrêter les blagues là. Toi aussi. Vous me saoulez les mecs. À un moment donné, faut se calmer. Mon équipe est au point, très bien, mais on va pas tenir. Disparais ! Voilà, toi tu disparais. Ça me fait plaisir. Vous aussi, là, vous disparaissez tous. On est au point de contrôle numéro 2. On s'en est plutôt bien sorti. Ils sont où ? Ils sont là. Il y a la Gatling ici. Non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, dommage, dommage, dommage. Je pensais que... bon, on a quand même fait une belle percée, là. Franchement, si on arrive à défendre... bon, bah, si Lucald a décidé de jouer, ce serait bien aussi. Parce que là, on est 3 contre 4. Donc, ça va être délicat. Et je vais aller filer un coup de main à lui, là. Bah, j'étais sûr. Tiens, mais il était où, lui? Ah, je l'ai pas du tout vu sortir de l'encre, du coup. Je me suis fait rétamer.
Je l'ai vraiment pas vu. Là, pour le coup, il était invisible. Bon, il faut vraiment les bloquer maintenant. Parce que sinon, ils vont reprendre facilement l'avantage, je pense. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Je veux le tuer, s'il vous plaît. Attention derrière. Ouh là là. Oh, j'ai survécu à ça. Et après, je me suis fait splatter. Très bien. C'est serré, là. C'est très serré. C'est très dangereux, ce qui se passe. Ils vont essayer de percer chez nous. Ah, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Il faut y aller vite. Allez, bloquez-les. Bloquez-moi cette tour. On a récupéré, pas pour longtemps. Voilà, j'étais sûr. Ah, oh, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Bon, quelqu'un d'autre l'a eu. Oh non, 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 ne les laissez pas. Oh là 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 là. Mais c'est tendu, là. Ce qui se passe, c'est hyper serré, là, pour le moment. Hein. Bon, je vais essayer de me mettre en défense un peu mieux. Allez, allez, allez. On va jouer autant. De toute façon, on a que ça à faire, là. Les laissez pas remonter dessus. Par pitié. Ah oh, non, ils les ont laissés. Ils les ont laissés monter dessus. Non, c'est terminé. Deuxième victoire en match pro, en expédition risquée, en mode, en défi négatif. Merci à Sentiture pour ce petit défi, c'est assez marrant. Même si c'est très perturbant et que du coup, bah, y a de temps en temps, on se laisse surprendre parce qu'on observe moins bien du coup. On voit certains détails un peu mieux, comme la peau ou ce genre de truc, mais il y a certaines choses qu'on voit moins bien. Bon, dans tous les cas, on s'en sort pas trop mal pour le moment, ça a l'air de nous réussir et c'est plutôt sympa. Donc bon. Les stages et les modes de jeu ont été mis à jour, très bien. On est reparti, entre-temps on est passé aux missions Bazooka. Mais c'est fou, les missions Bazooka, je tombe pratiquement tout le temps sur le chantier naval. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va bien voir comment ça se passe. Oh, il est très complexe celui-là. Avec ces couleurs-là, le terrain est très 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 complexe. Je ne sais même plus quelle zone je peux ancrer ou pas. Bon, globalement, je connais, donc ça devrait aller. Il y a du monde qui arrive en face. Hop. Il faut que je recule, moi. Il va essayer de leur ouvrir la route, voilà, j'étais sûr. J'étais sûr qu'il y en aurait un qui resterait là. Ah, mais non, c'est nous qui l'avons, non? C'est eux. C'est eux. Voilà. On s'en débarrasse. Gentiment, mais sûrement. Bon, je vais sûrement me faire contourner. En espérant que ça pète au bon moment. Voilà. J'étais sûr qu'ils allaient arriver derrière. J'étais sûr. Bon, lui, je l'ai eu. Au moins, c'est déjà ça. On va voir comment ça se passe pour eux. J'ai l'impression qu'ils vont pas beaucoup avancer. Même si je me suis débarrassé du proxy blaster. Je pense que c'était un proxy blaster, clairement. Bon, il y avait une ombre bizarre, là. Du coup, quand on voit à travers le décor, c'est très bizarre. Allez, il faut que ça pète. Moi, je vais monter par là, les gars. Essayer de couvrir par ici. Voilà. Ah non, on a perdu le bazooka, déjà. Allez, faites-moi péter ça. Je vais essayer de le récupérer. Bon, bah, je ne l'aurais pas récupéré très longtemps. Désolé, les mecs. J'ai essayé juste de le reprendre histoire de faire gagner du temps, mais on n'a pas gagné beaucoup de temps. Au final, bon là ils arrivent à vitesse grand V. Par quel côté ils vont essayer de passer? Bon bah j'étais sûr qu'ils passeraient par là. J'ai envie de dire ça m'arrange. On en a eu un. Bon là il faut se méfier. Ils sont en train de nous contourner, non? Non il est là. Il est là. Et c'est le squid seed pour lui, parce qu'il est venu en plein milieu de notre camp. Toi, tu me saoules. Ah, il veut bien disparaître, lui. Allez, 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 on fait péter ça. Ne laissez pas le prendre. Ne laissez pas le prendre. Voilà. Bon, je suis très nul quand c'est moi qui l'ai. La preuve en image. J'ai pas servi à grand chose. Et là, on se fait mais bombarder. Bon, il faut vraiment qu'on arrive à les bloquer parce que, mine de rien, ils peuvent reprendre l'avantage relativement rapidement. Il suffit qu'ils avancent de 2 petits centimètres de plus et c'est bon. Hein. La preuve en image. Allez, si on pouvait l'avoir, lui. Voilà. Attention derrière vous, les gars. J'ai dit attention derrière, mais... Voilà. Terrible, ça. On se laisse contourner, quoi. Par là. Toi, tu disparais. Mon équipe a perdu le bazooka. Ah bah, c'est pas une bonne nouvelle.
on a le bazooka. Si on pouvait avoir... Voilà, et le 1. Il est où, le gars? Il est là. Il y en a un par là? Non, il n'y en a pas. Il y en avait un derrière, par contre. Ils arrivent par là. Oh, là, on a une chance, là. Il faut avancer, les gars. Avancez. Faut que je survive le temps que... Bah non, ils ont... j'ai pas survécu le temps qu'ils aient le bouclier, c'est dommage. J'espérais. On est où, là? J'espère que je vais atterrir au bon endroit. L'adversaire a le bazooka. Oh bah, j'ai atterri en plein dans l'apocalypse. En plein dans l'apocalypse. Bon bah, mon pote aussi, il vient d'arriver au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, il va falloir lutter, là. Il va falloir vraiment lutter pour les bloquer. Est-ce qu'ils vont repasser par le même côté? Non, je ne pense pas. Ils vont tenter une autre approche, s'ils sont un peu malins. Ils sont où? Ils essayent de faire le tour, je pense. Ouais, ils vont réessayer d'attaquer par l'autre côté. Mais on est là pour les bloquer. Allez, bloquez-moi ça. Bloquez-le. Voilà. Non mais quand même, quoi. Je le touchais pas ou quoi? Ah, la petite grenade qui passe. Il est où, lui? Il est là. Tu disparais, mec. Bon, c'est à moi de le prendre. Je voulais pas le prendre de toute façon. Allez, plus que 23 secondes à tenir. Allez, 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 les gars. On peut le faire. Je veux une victoire, là. Ils vont arriver de par là, voilà. Et le 1. Ouh la vache. Je me suis fait splatter en beauté, mais je pense qu'on a remporté la victoire quand même. On aura lutté jusqu'au bout et on y était presque. Je sais pas si on a eu le temps de le poser sur son socle, mais franchement, on y était. Eh bien, ça nous fera 3 victoires pour ce défi négatif. Merci à Sentiture encore une fois. Et maintenant, ça va être à mon tour de lancer le défi à quelqu'un d'autre. Donc, je vais aussi choisir 3 personnes. Je vais lancer le défi à Octoboy, à Maléfique et la troisième personne. J'avais une troisième personne en tête. Je vais le lancer à Poulpi. Tiens, Poulpi aussi peut faire le défi. Donc voilà, Maléfique, Octoboy et Poulpi. Je vous lance ce défi négatif en espérant que vous le relèverez. Dans tous les cas, comme d'habitude, j'espère que vous êtes que cette squidio vous a plu, pardon. Et dans tous les cas, comme... Voilà, je m'en mêle les pinceaux, comme d'habitude. Surtout, n'oubliez pas, restez frais, merci.